Bonjour frère et soeur, bienvenue sur ce board. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire, mes frères et soeurs, surtout les femmes, pardonnez. Quand vous vous mettez en colère là, s'il vous plaît, contenez-vous. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre colère, Dieu peut vous aider. Priez, dites Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, aide-moi à gérer et à contenir ma colère. Ou quoi? Éloigne de moi l'esprit de colère. Amen. Parce que si vous ne le faites pas, un jour vous risquez de faire tuer quelqu'un. Vous risquez de faire du mal à quelqu'un, inutilement. Juste pour des choses éphémères. Sur cette terre-là, on recherche beaucoup de choses. Même pour avoir certaines choses éphémères là même, c'est encore dur. Mais l'homme a plus de valeur que toutes les richesses de la terre réunies. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ce que cette jolie femme à l'écran a fait à sa ménagère de 10 ans est grave. Vraiment, je ne saurais comment vous l'expliquer sans vous montrer les images. L'image grave de ce qu'elle vient de faire. Je sais l'information qui sont parlées sur les réseaux sociaux, je viens de voir ça. Et j'ai l'image de ce qu'elle a fait là, là devant moi. Attendez que je vous explique. Pour que vous puissiez bien comprendre. Vous voyez, la femme là, elle a chez elle un enfant de 10 ans qu'elle utilise comme sa ménagère. Vous voyez en Afrique, souvent quand vous voyez les enfants orphelins, quand certaines personnes voient les enfants orphelins, ils les prennent, ils pleurent pour dire, oh je vais m'occuper de l'enfant, oh je vais m'occuper de l'enfant, comme telle ou telle personne de la famille est décédée, moi je prends en charge l'enfant. Et l'enfant arrive à la maison. Au lieu qu'elle s'occupe de l'enfant, elle se met à battre l'enfant dans tous les sens. Elle se met à transformer l'enfant en une ménagère. Vous voyez, non? C'est ce qui se passe ici. Cette fille de 10 ans a encaissé tout de chez tout, quoi, venant de cette femme. Que s'est-il passé? C'est une information que l'Église nous dit qu'un jour, la petite de 10 ans, sans faire exprès, elle a cassé un plateau. Vous voyez un peu les assiettes très chères. Et ça a énervé sérieusement la femme. Ça a tellement énervé qu'elle ne s'est pas contenue. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait bouillir de l'eau chaude. Et elle a donné cela à la petite de 10 ans. Elle lui dit, bois cette eau. C'est ce qu'elle lui disait. Elle lui disait, bois cette eau. Bois cette eau. Et la petite n'a pas peur. Elle essayait de boire. Mais l'eau était déjà chaude. Imaginez la suite. Eh Seigneur, ça a brûlé ses lèvres. Quand vous voyez ses lèvres, c'est méconnaissable. Vous ne savez pas si... Non, c'est pas possible. Les images se trouvent là devant moi, sous mes yeux. À l'heure même où je vous parle. Je ne vais pas vous montrer ça parce que ça risque de vous choquer. L'enfant était de boire cette eau. Et puis, il veut faire boire cette eau chaude, bouillie à l'enfant. Ça a brûlé les lèvres de la petite. La petite a été de crier. Pendant que la petite a été de crier, elle a laissé cette eau à côté. Voici la femme. Elle prend cette eau. Et elle fait cette eau entre les deux jambes de la petite. C'est-à-dire là où se trouve son sexe. Eh Seigneur, de l'eau chaude là-bas. Maintenant, la petite, elle a commencé à vraiment se tordre de douleur comme c'est pas possible. Oh Seigneur, ce que vous ne pouvez pas supporter, ce que vous faites aux gens. La petite a commencé à se tordre de douleur. En plus de ça, elle dit, c'est pas. Non, elle s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à frapper la petite avec un chicotte. Frapper la petite,
Là, je vous parle, je regarde cette image. Je vois des traces de fouet sur son torse, sur son dos, partout, comme si c'était Jésus-Christ qu'ils étaient de chicoter avant de le mettre à la croix. Vous avez un peu regardé ça dans la passion du Christ, hein, pour ceux qui ont regardé la passion du Christ. Ce sont les mêmes traces de fouet là que je vois sur la fille. Un choc total. Une fille de 10 ans. À un moment donné, la fille, elle a perdu, elle est en train de mourir. Et pendant qu'elle est en train de mourir, à un moment donné, elle-même, cette femme, elle s'est rendue compte que là, la fille a été d'aller loin. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Voici comment elle a décidé d'aller voir les tradis patriciens, les gens, les messieurs qui font des petits médicaments. Là-bas, elle a appelé un. Elle a dit, écoute, viens voir la fille. Elle a dit de faire bizarre. Il arrive, le monsieur. Il voit la fille. Il voit l'enfant de 10 ans. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'enfant là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant soit dans cet état? La femme n'a rien dit. Elle dit, mais il lui a dit, écoute, cet enfant-là est en train de mourir. Hein? Alors je te parle, l'enfant est en train de mourir. Va directement amener l'enfant là à l'hôpital. Elle a dit, ah, j'ai envoyé l'enfant à l'hôpital. Non, est-ce qu'on ne peut pas soigner l'enfant ici à la maison en même temps? Le monsieur lui a dit, va, envoie l'enfant à l'hôpital. Hein? Envoie l'enfant à l'hôpital. Sinon, là, moi-même, je vais appeler la police pour dire que tu ne veux pas envoyer l'enfant à l'hôpital et que tu veux tuer l'enfant. Voici comment cette affaire-là est arrivée à l'hôpital. Puis ils défendent le policier. Et ils ont enfermé la femme. Ils ont enfermé cette femme. Je suis sur le choc. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et nous sommes en 2021. Que se passe-t-il, oh? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, oh? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Vraiment, l'homme, c'est pas possible. La femme, c'est pas possible. La femme, tu nous as trahis dans le jardin d'Éden. Tu viens encore nous décevoir ici encore. Non, la femme. Et moi, je tiens à vous dire quelque chose. En fait, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose. Regardez cette femme que vous voyez à l'écran, mon frère et soeur. Est-elle vilaine? Non. Elle est belle. Ok. Elle est jolie. Nous devons dire que, oh, elle est claire. Souvent, elle est claire. Parce qu'eux aiment bien les seins clairs. D'accord. Mais pouvez-vous penser un seul instant que cette femme soit capable de faire ça, vestie de louche de la partie intime de la petite fille de 10 ans? Hey, non! Imaginez maintenant vous qui êtes une grande personne, si vous l'énervez, mais elle va couper votre sexe vous partez avec. Oui! C'est comme une autre femme a versé de l'eau chaude sur la partie intime de son gars. Parce qu'elle a dit que son gars la trompait. Elle a trouvé que son gars la trompait. Vous avez vu ça? Je suis vraiment sous le choc. Hein. Je suis vraiment sous le choc des. L'apparence est trompeuse. Moi, je vais commencer par vous dire sérieusement. En ce dernier temps-là, méfiez-vous des filles très jolies. Les filles qui sont jolies, là, les filles qui attirent votre attention de loin, là, il faut plus vous méfier d'elles que même du diable. Je vous parle de quelque chose. Pourquoi je vous dis? Vous voyez, les filles, quand une fille n'est pas trop jolie, hein, elle n'attire pas l'attention de beaucoup de personnes. Et les gens sont prudents par rapport à elle.
Vous voyez, non? Mais quand elle est belle, les gens ne sont plus prudents. Ils sont prêts à mettre à lancer rien. Mais ils oublient que derrière les belles choses se trouve souvent le diable. Parce que ce n'est pas tout ce qui prie qui est de l'homme. Elle est belle. Mais ce qui est en elle là, est-ce que vous connaissez? Ce qui la possède, est-ce que vous connaissez? Ce n'est pas pour l'enfoncer encore parce qu'elle est déjà à terre. Mais je suis en train de vous parler de quelque chose. Je suis en train de vous dire qu'il y a des femmes ici, là, dehors. Hein. Elles sont pires que le diable. Elles font pire que le diable. Ce n'est pas pour rien, il est écrit dans la Bible que c'est la femme qui a laissé entrer le serpent, le diable dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas pour rien. Jusqu'à l'heure où je vous parle là. Les femmes qui font entrer le diable dans le jardin d'Éden des gens, des hommes, elles sont pleines là dehors. Je vous dis ça toujours vous parce que c'est la plaque. Elles sont remplies là dehors. Moi, j'en vois plein chaque jour. C'est à cause de ça, je ne suis pas encore prêt même à me mettre en couple parce que je n'ai pas encore trouvé de femme. Je vois que des sorcières dans la zone. Que des sorcières. Elles sont remplies là dehors. Vous les voyez, elles sont jolies, maquillées, parfumées, elles sont dans les voitures. Méfiez-vous, surtout, vous les gars qui aimez les femmes qui ont réussi là. Vous dites que vous aimez les femmes battantes. Faites attention. Ce n'est pas toutes les femmes que vous voyez là-bas, là dehors, qui sont toutes battantes. Il y a certaines femmes qui se font passer pour des femmes battantes. Elles ont créé une petite entreprise, mais en bas là, elles font la sorcellerie, des rituels pas possibles. Elle couche avec des gars, elles font des trucs vraiment terribles avec les spermes des gens. Le mot de mélanger, faites attention. Comme une jolie fille comme ça peut-elle faire un truc pareil? Vraiment, j'ai été choqué, vraiment grave choqué. La chose qui me choque le plus, c'est ce que je viens de vous dire. Elle est tellement belle que vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'elle soit capable de faire un tel acte, de commettre un tel acte. Abominable. Vraiment, que Dieu la délivre. Que Dieu la délivre, que Dieu la délivre. Est-ce que c'est d'attendre sur elle là, c'est mauvais. Que Dieu la délivre. Il y a plein de filles là, Dieu, faites attention. Avant d'épouser une fille, surtout les jolies filles là, les jolies femmes là, allez faire la délivrance d'abord. Allez chercher à savoir si c'est tout. Cache en elle. Je vous parle de quelque chose. Les réalités sont là. Les réalités sont là aujourd'hui. C'est pas tout ce qui brigue de l'or. Prenez soin de chercher à savoir quel est l'état d'âme des gens que vous rencontrez. Même si c'est pour embaucher quelqu'un. Puis que tu te montres quel est l'état d'âme de la personne. Les gens ont créé le système qu'on appelle tester les femmes. Genre, quelqu'un a rencontré une fille, il l'aime bien, il dit, bon, attends, avant de l'épouser, il faut que je la teste. Toi, c'est quel genre de testeur tu prends? C'est quoi ton testeur? Ton testeur là, c'est quoi? Avec quoi tu testes? Moi, je vous dis que vous n'avez même plus besoin mais de toucher à une fille hein, avant de savoir. Avant de savoir qui elle est en réalité. C'est-à-dire le test hein, se passe aux deux ou bien aux trois premières phrases qui vont sauter sa bouche. Même trois phrases, trois mots même suffisent. Si vous êtes fort d'esprit et que vous connaissez bien les œuvres des démons, vous allez les repérer facilement. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dieu nous a dit que les mauvaises âmes produisent de mauvais fruits. Vu ce que la femme avait de produit, on va dire qu'elle est belle physiquement, mais en elle, c'est le contraire. C'est un démon. Donc, ce beau visage, ce beau sourire cache de la terreur. Une colère pas possible. Pas possible. Voici où la colère a amené une femme. Ce genre de colère sont nourris par un esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie,
C'est cet esprit-là qui cherche à faire du mal à autrui. Et la chose qui m'a fait le plus mal, c'est qu'elle a pris cette eau chaude pour verser entre les deux jambes de la fille, c'est-à-dire dans son sexe, sur sa partie intime. C'est-à-dire qu'elle a lâché à faire quoi? Elle cherche à carrément gâcher l'avenir de la fille. C'est comme si elle avait violé. Non. Cette année, on a tout entendu et on a tout vu. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Beaucoup de choses à vous montrer. Priez que ton Dieu me donne la force de pouvoir traiter ces... de voir vous montrer ces choses-là. Je n'ai pas bien dormi cette nuit, mais je fais une fois quand même pour faire cette vidéo pour vous. Pour me soutenir, priez pour moi, laissez beaucoup de j'aime, montrez-moi que vous me soutenez seulement. Et puis, que Dieu nous protège. Que Dieu nous éloigne des mauvaises personnes qui risquent de détruire notre vie. Vous les hommes, si vous êtes, si vous avez un bon cœur, méfiez-vous des femmes. Parce que les bons hommes sont attirés par les mauvaises femmes. En fait, les bons hommes, là, ils attirent les mauvaises femmes. Maintenant, les bonnes femmes, elles attirent les mauvais hommes. Donc, ne vous engagez jamais avec le premier venu. Parce que le premier venu, c'est très souvent un envoyé du diable. Ça, c'est un bon conseil pour vous tous.